on est en route. La banque, les courses, le pique-nique, on retente le pique-nique. Oh là là. On espère que ça va bien se passer. Elle se moque de mon moteur, mais bon, le sien, pff, pas beaucoup mieux. Hein. C'est pas très passionnant, mais fait quand même. Lila retire de l'argent. Alors, on regarde si elle fait bien tout. Hein. Ah, elle est en train de mettre le code 1664. Super. Nouvelle fleur derrière la petite moto. On l'avait pas présentée la dernière. On avait trouvé une fleur à offrande, on l'a mise. Et hier, on a retrouvé une autre petite fleur. Et voilà. T'es contente ? Un quotidien qu'on ne vous montre pas. On vous montre souvent qu'on va à la station, au garage, mais on va aussi tous les jours à la station. On va prendre du 95. Et ce qui est cool ici, c'est comme à la Réunion, c'est qu'on est servi. On est servi. Regardez, là, la madame, elle va servir Lila. Ça, c'est cool que ce soit comme ça aussi chez nous. Ça fait de l'emploi. Ça fait de l'emploi et puis ça fait gagner beaucoup de temps en fait. Ça t'évite de descendre, ça t'évite de mettre des 10 minutes à la station. Et puis c'est cool. Eh bien, on quitte la grande ville. On quitte la grande ville et lui, il va me faire une dinguerie. Il m'a fait une dinguerie. Mais on quitte la grande ville. Et j'ai calé à cause de lui parce que je ne peux pas utiliser ma main gauche. Eh bien, on a décidé de manger parce que on a faim. Et j'étais en train de filmer cette route avant en conduisant. Et bien là, voilà, à l'arrêt. On entend le chant des oiseaux. Beau panneau publicitaire déchiré. Et toujours nos belles petites motos. Je crois qu'on a trouvé du pain pas sucré. Yeah! Puis voilà notre pique-nique. Papa, maman, vous inquiétez pas. Là, je vais bien manger. Et je vais prendre des calories et grossir. On s'est même pris un petit pot de Nutella. Ça, c'est le péché mignon de Madame Lila. Et toujours aucun légume. Ah, si, il y a un légume. Il y a des oignons. Et il y en a encore aussi, des oignons frits. On a trop du beurre. Et du beurre. C'était pas bon. Ça, c'est nos restes. Voilà, tac. J'ai tout coupé et comme hier... Et je vais tout donner un toutou. Et là, là il y a le meilleur. C'est pour papa. Oh là 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 là, du Nutella. Il y a un minou. Il y a un toutou. Il n'y a pas de toutou. Et voilà. Est-ce que ça va être bon? Ça oui. Mais je viens de naître. Ah oui, je crois qu'on a une... Il vient de naître. Ah non. Pas. Ciao. Ciao. Ou peut-être qu'il est allé faire un bain, je sais pas, mais... Non, non, je crois qu'il vient de naître. Hein. Il marche comme un nouveau-né. Comme un nouveau-né, ouais. Comme un débile. Comme un débile.
bien, apparemment il y a un petit spectacle avec un dragon qui va défiler. Là en face de nous en vert, c'est un monsieur de la police. Tout le monde est dans l'attente. On va voir ce que ça donne ce petit défilé. La photo qu'on voit là du monsieur, c'est le gars qu'on a vu en statue hier, Ho Chi Minh. La jeunesse qui est surprise et qui veut parler avec Lila. Elles sont super contentes de voir Lila. Et salut! Et ben ils vont faire une barbe à papa à Lila et regarde, elle partage avec tout le monde. Oh là 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 là. Et on voit un super camion poubelle derrière qui décharge une poubelle à beau moment. Allez, on va garder le beau moment comme ça. Trop mignon. Je sais pas si vous avez vu, il y a un toutou qui creusait un trou, c'est mignon. Ah, encore un chien qui traverse en plein milieu, il en a rien à foutre. J'ai failli en écraser 4 aujourd'hui. Hein. Franchement, ils font flipper. Eh ben les animaux. Gang de canards. On a le monsieur à côté, tac. Juste ici. Qui a son petit troupeau. Elles sont mignonnes, très mignonnes. Elles m'ont obligé à m'arrêter en plein milieu de la route.
c'est pour maman et Hervé, des petits chevaux, avec un petit toutou. Il a peur de moi, mais il est super mignon. Et bien, arrivé à notre auberge. Grave mignon. Super mignon. Super mignon. Grave mignon. Il y a un petit lac là-bas derrière. Il y a un petit lac là-bas. Bien arrivé dans notre petite auberge pour deux nuits. Oui. Et oui, alors, c'est splendide. Belle vue sur les champs et juste à côté, on a un super beau lac. Incroyable. On est sorti de notre petite gîte. La petite maison en gris là qu'on voit à gauche. Ici, c'est là où on dort. Et là, c'est l'endroit où on est. Donc, c'est super calme. Et oh, 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 on a un petit copain. C'est un petit poney, lui. Ouais. Eh, hey, salut, toi. Bah, t'as pas grand chose à manger ici, disons. T'as pas grand chose à manger, hein. Il a son copain derrière. C'est des super mignons. Hein, Minou? Eh bien, on se balade, petit village sympa. Ça a l'air un peu ancien, mais pas non plus tant que ça. On a devant nous une dame qui promène ses bêtes. Qui promène ses bêtes. Bon, vous en avez déjà vu beaucoup, on en croise souvent sur la route. C'est cool. On change de décor. On est passé des rizières aux personnes qui faisaient du bois, aux personnes qui faisaient des légumes, aux personnes qui cultivaient, enfin qui coupaient, qui vendaient le bambou. Aujourd'hui, c'est plus les bovins. Dans la montagne. Dans la montagne. Il y a des rizières aussi. Hein. Ouais, il y a des rizières, mais ils sectorisent quand même beaucoup plus. Toujours des petits toutous. Et salut nous. Oh, il est trop mignon. Lui, il est super mignon. Hé, hey, salut toi. Coucou. Coucou Minou. Oh. Il est mignon lui. Il a son copain à côté. Je pense qu'on pourrait t'appeler, toi, on pourrait t'appeler Sac et toi, Apus. L'animal roi du Vietnam. Les poules et les coqs. Il y en a partout, 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 partout. Et ils sont en liberté, hein, ils font leur petite vie et tout, tranquille. Bon là, ils ont peur de moi. Mais vraiment l'animal roi, quoi. Eh bien, on a décidé de se balader dans les champs. La route était pourrie. Non, c'est pas vrai, mais... On a vu un moulin là-bas, on s'est dit, allez, on va au moulin. Eh bien, les petits moulins ne marchent plus très bien. Hein. Je peux aller. Je pense qu'ils les ont surtout pas activés parce que du coup, ils n'ont pas besoin de mouiller les champs. Parce que là, le système, c'est que l'eau rentre dans le bambou et puis ça irrigue les champs après. C'est pour ça qu'il y a ces petits moulins ici. Et ils ont dû les bloquer avec un mécanisme. Avec un mécanisme. Et là, je ne sais pas, mais. Ah si, là en bas on le voit. Là en bas ici, là il y a un bambin. Et là-bas aussi il y en a un. Ils les ont bloqués pour pas avec un. Là d'ici on verra mieux le système. Donc l'eau rentre ici, tac. Ça va là, ici, tac. Et là ça coule dans les champs. Et ça mouille partout, 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 partout. C'est pour ça que c'est en forme d'escalier. Je sais pas si, non on le voit pas ici, mais il y a des endroits où il y a des tuyaux dans la terre que l'eau se diffuse.
et irrigue les rizières qui sont complètement à... Faut mort là, hein. Ça ne doit pas être la saison. C'est pas la saison. Ça a été récolté là. Ça a été récolté. Toujours ces belles montagnes derrière. Ce n'est pas une montagne. Hein. Repas à l'auberge. Des œufs, du riz, du petit porc, de la salade et du poisson. Comme ça. Bon appétit. Bon appétit. On a mis du petit poisson au toutou parce qu'on n'aime pas. Alors lui, il galère un peu à le manger. Lui, il est plus vif. Hein. Mais lui, il se débat avec son petit poisson. Allez, salut les toutous. Salut toutous. Je crois qu'on est parti trop vite. La madame, elle est venue toquer pour nous donner notre dessert. Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Tiens, vas-y, tu peux prendre... Du coup, on est parti trop vite. La dame nous a ramené nos desserts joliment emballés. Voilà, une fois ouvert, ça ressemble à ça. C'est pas trop ce que c'est. Un peu bizarre. Ça colle. Beaucoup. Mais il y a un truc dedans. Voilà. On dirait du beurre de cacahuète. Ah ouais. Et c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah, bon dessert du coup. Marché. Eh bien, j'ai recommencé, j'ai réitéré. Je veux dormir dans le noir parce que leur porte là avec une baie vitrée derrière où ils mettent un vieux plastique blanc pour faire genre il va faire nuit, mais en fait il va jamais faire nuit. J'ai mis des trucs partout. J'ai mis une couette sur une fenêtre, j'ai mis ma veste. Ici, j'ai enlevé le matelas d'ici et je l'ai mis là. Et puis là, j'ai coincé... Enfin, j'ai caché la fenêtre avec un coussin et mon sac, quoi. J'espère qu'il va faire nuit. J'espère qu'il va faire nuit. J'espère qu'il va faire nuit. Eh bien, bonne nuit et à demain.